Prendre la vie en main, nettoyer ce pépé et te débarrasser des douze pétrins. T'as toute mon affection, mange, mets les genoux à terre, symbole d'adoration, pour te prouver toute mon admiration. Oh maman, pardonne-moi pour toutes les peines que je t'ai causées, toutes ces blessures du passé que j'ai osées. Je m'excuse, n'aie pas faire ton bonheur à l'heure, j'étais trop petit pour comprendre mes erreurs. J'ai dû faire des erreurs. Oh maman, pardonne-moi pour toutes les peines que je t'ai causées, toutes ces blessures du passé que j'ai osées. Je m'excuse, n'aie pas faire ton bonheur à l'heure, j'étais trop petit pour comprendre mes erreurs. J'ai dû faire des erreurs. On a parlé de façon générale sur l'Afrique, mais on devrait s'apesantir sur le cas du Congo, parce qu'au Congo, les antivaleurs sont vraiment généralisé. Mais on doit d'abord se demander, et pourquoi les femmes ne posent pas la question, quel est le rôle du Congolais dans la situation des femmes actuelles? Lorsque vous rejoignez le combat, là, il y a 3-4 ans, c'est toutes les mêmes femmes qu'on voit sur la place de Paris, alors que les femmes congolaises sont même plus nombreuses que les hommes ici. Mais on ne les voit pas. Mais tout simplement, peut-être parce qu'elles ne sont pas associées, parce qu'elles se sentent marginalisées par les hommes, parce que les hommes ont toujours tendance à montrer leur pouvoir financier, puisqu'au Congo, c'est plus les hommes qui ont l'argent. Alors, économiquement, c'est qu'on appelle l'économie primaire. Et c'est les femmes qui tiennent notre économie, l'économie informelle. Mais chez nous, ce n'est même plus une économie informelle, puisque ces mamans-là vont du lundi au samedi au champ. Ce n'est pas informel. Ça fait vivre la société. Elles plantent le manioc, le maïs, tout ça. Disons, l'agriculture congolaise est tenue par des femmes. Puisque moi, je le parle en connaissance de cause, parce que c'est l'ingénieur agronome. Je sais de quoi je parle. Même pendant les années 60, c'est toujours les femmes qui ont commencé à faire monter notre agriculture. Mais comme elles ont été découragées, c'est pas suivi au ministère de l'Agriculture, et voilà, elles ont laissé ce domaine-là. Il n'y a plus rien, on est obligé d'importer tout ce qu'on mange. Donc, mes chères sœurs, mes chères mamans, essayez de vous questionner. Quel est notre rôle dans votre situation actuelle? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que nous, on a un grand rôle dans, s'il n'y a pas de femmes, ou pas vraiment si au Congo, au Burundi, au Rwanda, c'est le premier pays là où on trouve plus de femmes dans ces structures-là. Mais au Congo, nous sommes peut-être vers les avant-derniers, tout simplement parce qu'il y a un pouvoir qui a installé un système invisible qui opprime tout le monde, y compris les femmes et les enfants. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je parlais après Sosten qui est ingénieur agronome, je crois, et moi aussi vétérinaire. Donc du coup, on peut s'associer ensemble. Moi, je remercie Marie de nous avoir invités en tant qu'équité. Moi, je ne parle pas souvent dans nos réunions parce que c'est moi qui fais le compte rendu. Donc, j'écoute. Et là, je vous parle, je pose 3 questions. Je pense que j'aurai des réponses. Et puis je veux aussi m'adresser à l'âme qui est entrepreneur, on va se voir tout à l'heure. Est-ce que la femme est-elle vraiment l'avenir de l'homme? Est-ce que l'homme a-t-il un avenir sans la femme? Vous avez cité beaucoup des versets religieux. Nous sommes un État laïque en France. Mais vous êtes un État religieux. Mais ce que vous faites dans vos pays est le contraire de ce qui se dit dans les religions. Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir d'où vient ce fléau? Vous cachez derrière votre nom en disant la religion, le verset se prévient. Et dans la pratique, ça se fait jamais. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Bordeaux, 25 ans. Mais quand ma mère m'a dit, papa ne vient plus ici, on est devenu déshumanisé. Après la guerre, les gens qu'on trouve sont devenus déshumanisés. Parce que quand ils sortaient de la guerre, de la forêt, ils avaient tué quelqu'un, ils avaient mis la tête sur un arbre, il fallait baiser la tête pour sortir. Quand on fait ça, on n'est plus humain. On fait ça à des femmes. Ma mère m'a dit, ne viens plus ici, tu n'es plus chez toi. Et je me rends compte ici que je fais une erreur.
On a beaucoup à donner parce que nous, on a appris, on a étudié. Mais ceux qui sont restés là-bas, moi j'ai un copain, Bonaventure, qui m'a dit, je suis à l'université, mais il n'y a pas de cours. Les gens font là que 5 heures du matin pour prendre le cours à 8 heures. Alors qu'à notre époque, on partait quand on, parfois si on ne voulait même pas aller à l'école. Et pourtant, nous y allons. Alors, les femmes, prenez votre rôle. Moi, quand j'étais avec, je suis syndicaliste, j'étais avec Nicole Nota, j'ai dit, écoute, je vais à Brazza faire un syndicat. Et il m'a dit, ça, prends une femme. Mais aucune femme ne s'intéresse à la politique. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai compté 11 femmes sur 19 hommes qui sont ici. Où sont les femmes? Prenez votre rôle. C'est à vous de pouvoir de changer l'humanité. Et donc, vous investissez-vous. Moi, je parle à vous. Ma femme aussi, elle est entrepreneur. Elle est partie, elle a une licence à la suite de son rôle. Elle est partie elle est chez nous voir l'inspectrice. On lui a dit, madame, vous n'avez pas de profil. Vous ne pouvez pas créer une entreprise. Elle est rentrée à la maison en pleurant. Elle m'a téléphoné, j'ai dit, c'est qui ça? L'inspectrice générale de notre département. Et donc, moi, je connaissais le préfet. J'ai appelé le préfet, j'ai dit, on n'a pas le droit d'interdire ma femme de créer une entreprise. Le préfet a téléphoné l'inspectrice. Elle était déjà en route pour rentrer chez elle. Elle est revenue. Elle dit, madame, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on vous a autorisé de créer une entreprise. Si on n'avait pas de réseau, vous qui êtes ici, je vous dis une chose, créez de réseau. On est pauvre parce qu'on n'est pas riche, on est pauvre parce qu'on n'a pas de réseau. Sans réseau, on ne peut rien faire. Moi, je ne connaissais pas Marie. C'est le réseau qui a fait que je puisse amener à la folie. C'est un réseau. Créer des réseaux. Est-ce que vous vous aimez d'abord? Vous parlez de la religion. Je suis en colère, mais parce que votre religion, je suis pratiquant, croyant, mais je dis souvent, aimez-vous les uns les autres. J'en ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Je laisse la parole aux autres. Je vous remercie. Trois questions à poser à Marienta et à Laura. La première question, c'est est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont inspiré dans le cadre de votre parcours entrepreneurial? Des femmes et des hommes, hein? Comment se passe votre expérience entrepreneuriale entre le Congo et la France? Comme disait le monsieur, est-ce que vous êtes appuyé sur des réseaux? Et en particulier des réseaux, puisque vous êtes sur la double culture, des réseaux au Congo ou ailleurs? Et avez-vous des conseils à donner aux femmes et aux hommes qui voudraient s'inspirer de vos exemples? Marie. Je partage tout le bien qui a été dit à l'endroit de d'Avigna, de Marine Dion. C'est une très belle organisation. Il faut que cette organisation ces deux pôles fasse école. Nous, chefs de pôle, qui n'en sommes pas arrivés à cette organisation, il faut que nous en tirions les leçons. Donc, il faut vraiment, aujourd'hui, se dire que Marienta et Abigna ont levé haut le combat vers la marche de l'alternance au Congo. C'est une très bonne chose. Les orateurs sont brillants, les exposés sont préparés, personne ne balbutie. En tout cas, tout se passe bien. Donc, je voudrais que vous applaudissiez, les amis. Deuxièmement, je commence par une anecdote. Nous avons entendu ici que les femmes ne volent jamais. Je vous dis qu'au Congo, une femme a mis en faillite Soproji. Une femme a mis en faillite Soproji, la société de promotion de gestion immobilière, et dans les circonstances qu'on connaît au Congo, la justice ne l'a jamais mise en prison. On ne sait pas trop bien si elle est encore dans le système et quelque part. En tout cas, elle a mis en faillite une société d'État. Deuxièmement, donc la femme vole.
Et deuxièmement, si la femme ne voile pas directement, elle nous pousse à voler. Elle nous pousse à voler et elle est complice du vol, donc elle est volée. Donc elle est. Ça c'est pour l'anecdote. Ça c'est pour l'anecdote. Moi j'ai entendu le brillant exposé de Marcel sur les vertus de la femme. C'est très bien. Moi, je pense que nous sommes dans un contexte de combat pour l'alternance. Regardez ce qui se passe au Burundi, regardez ce qui se passe au Congo-Kinshasa, regardez ce qui se passe chez nous. Nous tenons notre réunion dans un contexte de combat pour le changement. Mais je n'ai pas suffisamment entendu ici, le combat des femmes, nos partenaires, nos conjointes, nos sœurs pour ce combat-là. Je n'ai pas suffisamment entendu ici. On aurait pu déjà avoir, mais l'expression seule la lune libère devait être même le sous-bassement, le tréfonds de cette conférence. Je n'ai pas suffisamment entendu ici. Il y a donc, je crois, depuis le PCT, jusqu'à présent, il y a des brillantes femmes qui se battent pour le combat. Pour leur liberté. Moi, j'aurais bien voulu que nous centrions notre démarche aujourd'hui sur le combat des femmes en Afrique. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de compatriotes africains, mais surtout pour le combat pour l'alternance au Congo, mais pris par les femmes combattantes. Ce n'est pas ça. Deuxièmement, mais il faut qu'Abignan comprenne qu'il y a des pesanteurs qui tirent la femme vers le bas. Les églises se réveillent. Les églises se réveillent. Les églises se réveillent. Qu'est-ce qu'elle fait de la vertu de la femme? Qu'est-ce qu'elle fait de la piété filiale de la femme? Qu'est-ce qu'elle fait de la justice de la femme? L'église se réveille. Devrait même être, je crois, la cible principale du combat pour la libération de la femme. Ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Bon, on ne dit pas que les églises protestantes, les églises révélées et autres catholiques sont les églises appropriées pour le combat de la femme, mais du moins, les églises des révélées sont des églises à cibler, qui retirent vers le bas le combat des femmes. Lorsque nous allions dans les veillées, les femmes sont les plus nombreuses. Lorsque nous allons au lever du corps, les femmes sont les plus nombreuses. Mais quand nous allons sur le champ du combat politique, sur le champ de leur propre libération, comme ici, les femmes ne sont pas nombreuses. Donc il faut que nous commencions, je crois même, sans faire de l'immixion sur la conscience professionnelle, la conscience confessionnelle de nos compatriotes, mais commencer à dire, à sensibiliser les femmes sur le fait que, au-delà de la conscience confessionnelle, il y a le combat pour leur libération. Et ça, ce n'est pas assez à faire. Ce n'est pas assez fait. Donc, je crois qu'il faut que nous nous approprions, sans faire le compromis avec le PCT, l'expression que seule la lutte libère aussi. Si plus nous luttons, plus nous allons nous libérer. Tout ça nous libérer. Et vous allez voir que ce que Marietta, ce que mes soeurs et Cindy ont fait, mais c'est un combat pour la libération. Et nous serons libérés que par ce combat-là. Donc, la communication sur le combat réel des femmes est encore insuffisante. Cette conscientisation est insuffisante. Il faudrait que je vois que les assises organisent une deuxième conférence, mais celle-là, peut-être en évitant le maximum de femmes qui naissent sur la place de Paris, toutes confessions religieuses confondues, pour que nous échangions, quitte à ce que nous commencions à leur faire comprendre que Dieu c'est bon, et Dieu est en haut, la vie est à terre pour la libération. Et ça c'est important.
Ça, c'est important. Je vous apprends ici que entre autres formes leaders, la nièce de Madame Kaba est pilote de ligne, la fille du docteur Rossi. Elle conduit aujourd'hui les Boeing 747 et conduit les Boeing 747 et conduit les Airbus. Elle est basée à Abidjan. Elle porte le nom de ma grand-mère et sa père est Pont Osebi. Donc, parmi les femmes leaders, il faut aussi compter sur celle-là. Et puis, indépendamment de tout ça, il faut que quand nous faisons comme ça, nous associons des amis écologiques, les femmes des partis en France. Il faut que leur expérience nous apporte quelque chose. La victoire du gouvernement français sur la parité au cantonal. Mais c'est extraordinaire. La parité au cantonal, mais chez nous, dans notre pays, c'est inimaginable que sur les listes de députés, sur les listes de conseillers, il y ait un homme, une femme. Un homme suppléant, l'homme titulaire. Ou bien la femme suppléante, ça c'est inimaginable. Donc je crois que la prochaine séance sur la cotisation pour le combat des femmes, il faut associer Voynet, il faut associer Duflou, elles viendront. Ces femmes de gauche viendront. Maire de 20e arrondissement. Nous sommes dans ces murs. Elle viendra. Je crois qu'il faut prendre date rapidement, Marietta, Abignan, Lyon, pour nous appeler encore ce combat. Parce que la femme, c'est le maillon faible du combat au Congo. C'est la femme du maillon faible. Il faut commencer à la tenir, la traiter, la soutenir, pour qu'ensemble nous soyons. Au soir, il parle de Sassou, après le fait d'un gouvernement 50-50. 50-50. Comme au nom de la fête, je vous remercie. Voilà.